Et bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Fallout 4, depuis un petit moment quand même, pour voir ensemble aujourd'hui quelque chose qu'on n'a jamais vu, puisqu'il s'agit de plusieurs petits endroits qui sont pas marqués, qui sont, comme on le voit sur l'image, en plein milieu de l'océan. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous allons nous rendre à côté du phare de Kingsport. Donc c'est carrément à l'est de la carte, au nord-est exactement. Donc bon, je vais pas vous situer par rapport à Sanctuary Hills, hein. Maintenant on connaît tous un petit peu la base de la carte de Fallout 4. Donc une fois que vous serez à cet endroit, on va voir d'ailleurs qu'il y a plusieurs petites îles là sur mon écran. Donc on va commencer par les endroits qui sont à droite. Donc moi je me suis carrément posté au-dessus du phare de Kingsport. Et puis, bon, pour ma part, j'ai un jetpack. Alors, ça va être plus rapide. On va y aller. Alors, évidemment, le temps de faire le chemin, voilà. Bon, c'est pas très très long. Par contre, ça peut être très intéressant, d'ailleurs, pour ceux qui n'utilisent pas les mods, parce qu'il y a pas mal de capsules à récupérer, il y a des ressources, et puis, il y a même des médicaments, je crois, début Fallout, des trucs comme ça. On va voir ça. Alors, j'espère que je vais pas tomber dans la flotte, parce que sinon, je vais être obligé de lâcher mon armure. Voilà. Ok. Bon, l'épi de maïs, on va le prendre, même si c'est pas très utile pour nous. Alors, ici, nous avons une cabane avec un ballon de basket, des bouteilles de Gwyneth's. Non, ça, c'est pas très intéressant. Je suis même pas sûr que ce soit ici le plus intéressant à voir. Là, non. Je cherche les capsules, parce qu'il y en a pas mal à récupérer sur ces petits endroits-là. Alors, allez, sur ce petit bateau. Ici, je sais pas si on peut rentrer, non. Alors, je crois pas que ce soit... Ah, c'est peut-être là-bas. Je suis sûr et certain de moi, déjà, qu'ici, il y a quelque chose. Tiens, il y a même un fauteuil roulant, là. Le bateau, on s'en fout. Ah, bah oui, c'est là-bas, forcément, si je vais pas au bon endroit. Alors, déjà, on va aller sur cette petite embarcation. J'y arrive. Pas dans l'eau, pas dans l'eau. Ah, voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on est arrivé ici, le bidon de l'usager, ça m'intéresse, hein, parce que les ressources pour construire sont quand même difficiles à trouver dans ce genre-là. Ok. Alors, le sympathique requin ou dauphin, ou le truc mutant, là, qui a été découpé, on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est dans cette malle, cette première malle, donc où il y aura 16 capsules, un radaway, une mine cryogénique et la fourchette en argent. Voilà, ça n'a pas trop d'intérêt, on va la laisser ici. Ça, bah, c'est l'ancien habitant de cette embarcation qui visiblement n'a pas survécu. Là, ici, voilà, déjà ça c'est un peu plus intéressant. Dans cette trousse de premier secours, il y a encore 6 capsules, un manta et un psycho. Ok, donc ça, c'est récupéré. Alors, si vous entendez des ronflements derrière, je vous rassure tout de suite, c'est mon chat qui s'est amusé à s'asseoir juste au niveau de l'écran en plus. Alors, c'est très pratique pour moi. Un seau en émail. Hop, ça, je vais le récupérer parce que c'est assez rare aussi. Le deuxième endroit à voir. Alors, plante à fruits mutants. Ok. Là-bas... Ah oui, alors sous l'eau, il y a un bateau aussi, il y a des trucs à récupérer là-bas. Alors comme je suis avec mon armure assistée, je vais éviter, puis je vous avouerai que... en termes d'enregistrement, comme je suis sur une Xbox, c'est assez limité, puisque c'est 10 minutes par 10 minutes. Alors j'ai déjà beaucoup de mal à reprendre les vidéos sur Fallout, alors si en plus je commence à m'amuser à faire ci et ça... J'ai pas terminé... Alors, je vais vous montrer l'essentiel, déjà. Parce que mine de rien, on en est déjà à 4 minutes passées. Alors, on va se rendre à cet endroit. Alors, j'aime bien l'eau qui devient de plus en plus bleue au fur et à mesure que je m'éloigne de la terre. Allez, allez. On peut le faire. On va le faire. Ok, là, ça y est, ça descend. Je vais atterrir pile poil au bon endroit. J'espère. Ok. Alors, à cet endroit... que vous pourrez visiter facilement, parapluie en bon état, oh, parce qu'il nous intéresse. Je suis pas sûr que ce soit ici qui est la caisse, mais on va voir ça. Là, on a un grippin, la colle miracle. Ah, si, ça, c'est intéressant. Voilà, donc on a deux sacs de voyage.
Donc il y en a un qui a 50 capsules, des cartouches de calibre 12, des cartouches de 45 et un cocktail Molotov. Donc le revolver de fortune, je pense que vous n'en aurez pas besoin, moi non plus. Et dans le deuxième sac de voyage, il y a également encore 50 capsules, des cartouches de 38 et des cartouches de 5 mm. Donc après, si je fais transfert, on voit qu'il y a une arme, tout ce qu'il y a de plus basique en fait, puisque c'est une arme de fortune également avec un silencieux. Donc je vais la laisser ici. Ensuite, je ne crois pas que ce soit ici qu'il y ait encore des trucs à prendre. C'était où ? C'est peut-être là-bas, là, sur le bateau, je sais plus exactement. Je vais regarder ça, on va y aller, comme ça au moins on sera fixé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus ? Un poisson en moitié découpé. Ok. Alors, du poisson, et encore du poisson. Ah, une malle, là. Je suis pas fou, il semblait bien qu'il y avait quelque chose. Donc une boîte en métal avec 12 capsules ce coup-ci. Donc on en est déjà à 130 capsules à peu près avec deux petits endroits. Alors je crois pas qu'ici... Alors là je m'amuse avec le jetpack pour voir s'il y a quelque chose, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Non, il n'y a rien de plus là. Alors, il est où l'autre endroit que j'avais vu? Alors là on est parti de là-bas, ok. Et ah oui, là-bas il y a encore quelque chose. Alors on va y aller. On va y aller. En volant. Mais on va y aller. Allez. On peut le faire. On va le faire. C'est pas encore fait. Mais ça va venir. Voilà. On a encore un bateau qui est immergé sous l'eau. Alors finalement, je vais peut-être être obligé de quitter l'armure quand même. Ok. Voilà. Le bateau. Alors j'espère que je vais pas tomber dans la flotte là. Ok. C'est quoi ça? Qu'ai-je vu? Bouteille de bière? Non. Pas très intéressant tout ça. Hop. Mon amour rigole. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Ah, tu t'étouffes? Ah, ça c'est con ça. Ça c'est con. Alors. Alors à titre indicatif, puisque je suis en train de chercher comme un bœuf, pour essayer de vous montrer quelque chose d'intéressant. Ah, bah là-bas, déjà, ça a l'air un peu plus intéressant. N'oublions pas qu'au mois de décembre, je vais tourner un clip avec comme musique un fond ironisant le monde de maintenant. Et puis, ouais d'accord, super, la tronche du poisson, là, elle est magnifique. Donc, une musique qui ironise le monde de maintenant. Et puis, comment dirais-je, sur le thème de Noël aussi, quoi. Donc, disons que ça va se tourner vers le 10 décembre, et ça sortira vers le 20, le temps que je fasse le montage. Hein. Je précise pendant que je suis dans la vidéo, comme ça au moins, bouteille de Nuka, ok. Donc là, le coffre en métal, là, il était intéressant aussi, puisqu'il y avait encore des capsules. Alors, je sais pas à quoi correspond cet avion, là, si c'est... Non, c'est pas un truc extraterrestre, ça m'étonnerait beaucoup. Et ici... Ah, j'ai cru que c'était une holobande, ce truc-là. Ok. Boîte de conserve. Ouais, non. Bah non. En fait, il n'y avait rien de fou à prendre ici, quoi. Bon, en tout cas, il y a quand même pas mal de capsules. Alors, j'imagine que pour certains... Ah, c'est quoi, ça? Un casque de pilote rouge. Oh, c'est rien. Rien de bien méchant. Pour certains, c'est intéressant, parce que bah, si vous n'utilisez pas les mods, bah, pour avoir des capsules, c'est quand même relativement compliqué. Donc je pense que ça va quand même en intéresser plus d'un de venir dans ce coin-là pour un petit peu farfouiller ce qu'il y a dans l'océan et puis dans les petits endroits que je viens de vous montrer. Livre brûlé, non, bon, ça je vais le laisser. Ok, non, bah en fait c'est tout. C'est tout. Et oui, j'ai envie de vous dire que pour cette reprise de vidéo, bah, c'est un petit peu light, mais bon, on va faire avec. Ouais, d'accord, super, le petit pigeon là. Enfin, même pas, c'était un canard. Bon, bah ok. Ok. Bon bah non, visiblement, il n'y avait rien de plus. Mais il me semble que sous l'eau, il y a pas mal de trucs à prendre, mais ça, après, je vais vous laisser prendre le temps de visiter ça tranquillement. Donc, je répète que c'est un endroit qui se trouve à côté du phare de Kingsport, et puis au fur et à mesure, eh ben, vous allez pouvoir trouver diverses choses. Voilà, en tout cas, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, pour ma part, il ne me restera plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites. Et je vous dis à la prochaine vidéo.